Avez-vous déjà entendu parler du slow coffee, une mention que l'on voit souvent dans les coffee shops ou encore dans les boutiques spécialisées café? Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Le slow coffee, c'est avant toute chose une approche assez méthodique de la préparation du café. Une approche qui met l'accent sur la qualité, la précision et le processus artisanal. Contrairement à la culture de l'espresso où la préparation est nettement simplifiée, on appuie sur un bouton et on a notre café. Le slow coffee, lui, est beaucoup plus complexe que ça. Le slow coffee offre une expérience café plus riche et plus subtile. Mais surtout, il vous permet d'avoir une totale liberté pour créer des recettes personnalisées. Maintenant qu'on s'est dit ça, passons aux éléments qui caractérisent le slow coffee. Pour commencer, faisons un petit focus sur les différentes méthodes de préparation. Le slow coffee offre une large variété de méthodes de préparation. Parmi les plus connues, on retrouve la Chemex qui ne se prononce pas Chemex comme on l'entend souvent, la V60 ou encore la French Press aussi appelée cafetière à piston. Chaque méthode apporte des particularités gustatives. Je vous conseille donc vivement de tester toutes les méthodes pour vous faire votre propre avis. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à regarder nos vidéos ou consulter nos articles. Je vous glisse tout ça en barre d'infos. Contrairement aux machines automatiques, le slow coffee implique une préparation à la main où chaque étape du processus est contrôlée. Ici, on peut jouer sur certains paramètres comme la taille de la mouture, la température de l'eau ou le temps d'extraction pour avoir un résultat en tasse avec plus ou moins d'acidité, d'amertume ou de sucrosité. Comme je vous le disais en introduction, vous pouvez vraiment créer la recette qui vous correspond. Pour du slow coffee, on aura plutôt tendance à utiliser du café de spécialité, réputé pour leur terroir et leur qualité en tasse exceptionnelle. Ces grains mettent en valeur des arômes uniques, offrant ainsi une expérience gustative riche et captivante. Pour une infusion optimale, les grains de café sont moulus juste avant la préparation. La fraîcheur de la mouture permet de préserver les arômes du café. Là encore, c'est un point essentiel du slow coffee. L'eau utilisée doit toujours être à une température et une quantité bien contrôlée en fonction de la méthode utilisée. Cela permet d'extraire les arômes du café de manière équilibrée et d'avoir une stabilité d'une tasse à une autre. Je vous mets en description nos vidéos dédiées à chaque méthode pour pouvoir retrouver les bonnes infos à ce sujet. Et pour finir, on parle du slow coffee car c'est surtout un moment durant lequel on ralentit le rythme, on profite de son café. Un rituel apaisant et méditatif. Le slow coffee nous encourage à savourer chaque tasse de café, à prendre le temps de ressentir et d'apprécier les nuances de saveur, contrairement à l'espresso qu'on a tendance à avaler rapidement entre deux rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre ce qu'est le slow coffee. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nos experts se feront un plaisir de vous répondre. Moi je vous dis à bientôt et bon café.